Aujourd'hui, mon thème avec vous, today, my theme with you, c'est les quatre dimensions de l'amour. The four levels of love. Au premier culte, on the first service, j'ai introduit sur quelques points de l'importance de l'amour. We talked about the importance of love. Et au second, on the second service, j'ai parlé d'une des premières dimensions de l'amour, we talked about one of the first dimensions of love, la largeur de l'amour, the width of love. Alléluia. Amen. Notre texte de base, our text today, où la Bible nous parle des quatre dimensions de l'amour, where the Bible talks about the four levels of love, et dans le livre de Éphésiens, in Ephesians, chapitre 3, chapter 3, à partir du verset 16. From verse 16. Alléluia. Je vais vous inviter à lire avec moi. Nous allons lire ensemble. Let's read together. On y va. Let's go. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans ce passage, passage, l'apôtre Paul, Paul nous parle de nous enraciner dans l'amour. He talks about being rooted in love. Dans le livre de Philippiens, in Philippians, il nous dit que votre amour s'accroisse, que l'amour doit s'augmenter. It has to be increased. L'amour, love, l'amour love, est quelque chose d'extrêmement important. It's very important. Amen. Amen. Je sais que toute l'année dernière, all of last year, vous avez travaillé sur ce caractère de Dieu. We talked about this characteristic of God. Alléluia. Sans le caractère de l'amour tel que Dieu le décrit, comme vous l'avez enseigné et tel que je parlerai, without this characteristic that we thought, si vous ne développez pas l'amour dans cette dimension, if you don't develop it in this level, il vous sera difficile d'atteindre la grande destinée que Dieu vous a donnée avant votre naissance. It's going to be hard for you to reach your destiny that God gave you before your birth. Sans la manifestation de l'amour, without the manifestation of love, il y a trop de problèmes sur la terre qui vont vous vaincre. There's too many problems that will conquer you. Problèmes familiaux, problem with your family, problèmes financiers, financial problems, problèmes de santé, problems in your health, toutes sortes de difficultés, all types of peuvent détruire votre vie, can destroy your life, si vous ne travaillez pas à développer ce caractère particulier de l'amour. If you don't have this particular characteristic of love. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit vaincu, dominé par des problèmes. God did not create man for it to be faked by problems. Tous les problèmes qu'on trouve sur la terre, all the problems we have on this earth, l'être humain que nous sommes était censé les contrôler. We're controlled by them. Les microbes ont toujours existé. The germs always existed. Mais ils ne sont pas venus, Dieu ne les a pas créés pour rendre les hommes malades. But he didn't create them for you to be sick by them. Alléluia. Dieu ne les a pas créés pour rendre les hommes malades. He didn't create it for you to be sick. Mais ils participent à la nature. But they participate in nature. Mais aujourd'hui, même les microbes ne respectent plus l'être humain. But today, even the microbes don't respect you. Ils nous donnent des grippes. They give us the flu. Ils nous donnent de la fièvre. They give us the fever. Ils nous donnent de la dengue et toutes sortes de maladies. They give us all types of sicknesses. La nature ne respecte plus l'homme. Nature never respects us. Les vents, the wind, qui engendrent des cyclones, that brings forth hurricanes, peuvent même tuer et détruire aujourd'hui de l'espèce humaine. Can destroy us. Les tremblements de terre, the earthquakes, et toutes sortes de choses. All types of things. Un jour, la nature a essayé de s'élever contre Jésus qui était dans une barque. One day, nature requested to be against en fait, Jesus. Elle n'avait pas vu Jésus. They didn't see Jesus. Les disciples étaient dans la barque en train de se noyer, ils criaient. The disciples were drowning and they cried. Et une chose étrange, lorsque Jésus s'est levé, and when Jesus stood up, c'est comme si la tempête l'a reconnu. It's almost like the storm knew him. Et c'est comme si la tempête et le vent, la nature avaient des oreilles et des yeux. It's like the wind had ears and eyes. Amen. Amen. Il y a la partie de l'enseignement que j'appelle la profondeur de l'amour. Je vais toucher un peu sur la profondeur de l'amour maintenant. It's called the depth of love.
C'est cet amour-là, c'est cette dimension de l'amour qui va vous permettre même de pouvoir parler aux choses. It's the type of love that makes you speak to things. Quand l'arbre ne portait pas son fruit, la Bible dit, Jésus n'a pas prié pour qu'il sèche. Jésus a dit que plus personne ne mange ton fruit. When this tree did not bear fruit, Jesus says no one else should eat from it. Et quand Jésus a dit à l'arbre que plus personne ne mange ton fruit, and when Jesus said that, l'arbre a obéi à Jésus. The tree obeyed to Jesus. L'arbre dit OK. The tree said OK. Je m'auto-détruis. I will destroy myself. Et l'arbre a arrêté de puiser l'eau dans le sol et l'arbre a séché. And the tree just started. Jésus n'a pas dit qu'un microbe vienne te détruire. He didn't say may I. Il a observé l'arbre, il dit je ne veux plus qu'on mange ton fruit. He said I will not eat you anymore. Et l'arbre a obéi. And the tree obeyed. On va dire c'est Dieu. We'll say this God. Effectivement c'est Dieu. Yes, it is God. Mais c'est ce pouvoir là que Dieu avait donné à Adam. But it's the power that God gave to Adam. C'est ce pouvoir. Quand Jésus sort de la barque, quand Jésus se lève, when Jesus got out of the boat, il dit à la tempête, arrête. He stood up and he says, stop. Quand la tempête regarde, when the storm saw him, si c'était l'apôtre Pierre, if it was Peter, qui disait à la tempête, arrête-toi, that said that to the storm, la tempête allait dire, je veux m'accroître pour te faire mal. The storm would say, I'm gonna kill you. Mais qu'est-ce que la tempête a vu? But what did the storm see? Elle a vu sur Jésus, saw on Jesus, la face de Dieu, the face of God, la ressemblance à Dieu, the resemblance of God. Jésus. Jesus est l'image de Dieu. His image of God. Mais il se trouve aussi qu'à l'origine, at the origin, l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Human beings were created at the image of God. Et Dieu dit justement, and God said, créons l'homme à notre image, let's create man, selon notre ressemblance, according to our likeness, il a dit, et qu'il domine, so they can dominate, sur la nature. On nature. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Tu as été créé pour contrôler la nature. You were created to control nature. Tu as été créé pas pour fuir les microbes, mais pour que les microbes te respectent. You were created not to run from them, but for them to respect you. Alléluia. Amen. 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 Un bon croyant qui va, ça c'est ce qui va arriver bientôt. On va voir des catégories de chrétiens qui vont appliquer ce message. We will see some Christians who will apply this message. Jésus, as Jesus, peuvent s'arrêter devant la mer et dire au poisson, entrez dans le filet. Go inside of the fish. Est-ce que vous savez que lorsque Pierre a jeté le filet, when Jésus Pierre a dit, jette à gauche. He said, go, do it to the left. La Bible dit, il y avait tellement de poissons. There are so many fish. Tellement. There are so many fish. Toute la nuit, ils avaient pêché sans obtenir quoi que ce soit. All the night, they didn't have anything. Je crois que quand Jésus a demandé que le filet soit jeté, when Jesus said, cast out the net, les poissons sont sortis des cachettes de la mer. The fish came out of their hiding place. Pour rentrer dans le filet de Pierre. In the net of Peter. Pour dire, Jésus a parlé. To say, Jesus spoke. Il faut que j'aille me faire manger. I have to go and je vais entrer me. Dans le. I will go inside of the net. C'est ce qu'on appelle la domination. It's called domination. Quand Dieu crée Adam, when he created Adam, il dit pour dominer to dominate sur le poisson, on the fish, sur tous les animaux, all of the animals, et sur toute la terre. And sur all of the et on a vu ça en travers de Jésus. And we saw that with Jesus. Il disait les poissons suivaient, les arbres lui obéissaient, le vent lui était soumis, the wind submitted to him, toutes choses. Everything. Alléluia. 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 Amen. Et c'est une dimension, it's a level of God, qui va être davantage manifestée ces temps-ci. That will manifest. Romains chapitre 8 dit, Romans 8 says, toute la création a été soumise à la vanité. All creation was submitted to vanity. Mais elle attend, but at the time, avec elle Adam désire la révélation, but now the revelation, des fils de Dieu. Of the sons of God. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? La révélation. The revelation. Révéler, ça veut dire manifester. To reveal means to manifest. Le fils de Dieu, ça veut dire ceux qui ressemblent à Dieu. Those who look like God. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. Alléluia. Ce passage de Romains 8 signifie this means that que les fils de Dieu existent déjà, the sons of God already are mais here, on ne les voit pas encore. But we don't see them yet. Ça veut dire qu'ils ne sont toujours pas assez influents. They're not influential enough. Et pour cela, la création entière, all creation, la nature, nature, disent où sont passés ceux qui devaient nous régenter, nous régler. They say, who is the people supposed to conquer over us? Et la Bible dit que la nature attend la révélation des fils de Dieu. And they're waiting for us to be manifested. Pourtant, les chrétiens sont là. So the Christians are here. Il y a des chrétiens dans tous les pays. There's Christians in all countries. Pourquoi la création encore soupire? Why does the creation still want this? Parce que la révélation des because fils de Dieu, the revelation of the sons of God, ce n'est pas simplement le fait de remplir des églises. It's not just to come to fill the churches, mais c'est le caractère de Dieu que les chrétiens doivent manifester, que la nature attend. God that nature waits for.
Alléluia. Alléluia. La nature attend celui qui va la gérer. The person who will manage it. Le vent a besoin d'être orienté. The wind needs to be oriented. Sinon, il va continuer à ravager des îles. Or else it's going to do problems. Ce que je peux dire peut paraître comme théorique. This may seem theoretical. Mais c'est réel. But it's real. C'est réel. It's real. Le chrétien qui marche dans la volonté de Dieu a un réel pouvoir. The Christians who walk in the will of God have real power. Amen. 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 Je crois que c'est vrai en Haïti aussi, avec la souris. Mais nous, en Afrique, c'est très fréquent. In Africa, it's very common. Dans nos campagnes d'évangélisation, in our evangelism crusades, on rencontre des sorciers. We see witches. Mais qui gèrent le temps. And they manage time. Une fois même, j'ai vu un documentaire. One time I saw une chaîne française. A French lady. Est partie rencontrer certains. She went to meet somebody. Elle dit, monsieur, il paraît que c'est vous qui faites venir la pluie. She said, you or you the one that brings rain? Il dit oui. She said yes. Je peux faire venir, comment l'arrêter? I can do it and I can stop it. Et la femme dit, ben, j'ai besoin de la pluie. And the woman said, I need rain. Il lui a demandé quand? And he said when? Elle dit voilà, je veux qu'il pleuve tant. I want it to rain at this okay. time. And they said okay. Il lui a demandé de faire un petit sacrifice. He made them do an offering. Il dit bon, allez-y, dans quelques minutes la pluie arrive. He said in a few minutes rain will come. Il a plu. And rain came. Il s'est passé sur une chaîne française. It happened in a French channel. Lorsqu'on va en croisade, when we go to a crusade, on rencontre des gens, ils t'appellent la pluie pour déranger ton programme. We see people who call rain to mess up your program. Là, pour la veillée de traversée du 31, the 31st of the month, the last day of the month, on n'a plus de salle qui puisse nous contenir en Côte d'Ivoire. We didn't have any room for people. Donc, on est obligé de faire nos veillées. We had to do the crossover service somewhere else. Et on l'a fait dans des stades. And we did it in a big stadium. Il y a des milliers et des milliers de gens. There's thousands and thousands de milliers of people. De personnes. Tens of thousands of people. Et on prie pour le pays, on détruit les œuvres de Satan. And we prayed for the country. Alléluia. Alors, en Côte d'Ivoire, il ne tombe jamais de la pluie le 31 décembre. Et le 1er janvier, c'est du jamais vu. In my country, the 31st and the 1st of January, there's no never rain. Mais la veille, l'esprit m'a dit, ces sorciers là vont envoyer la pluie. But God told me that they will send parce rain. Parce qu'ils ne veulent pas que vous priez. Because they don't want you to pray. Et pour la première fois. And for the first time. En tout cas, depuis qu'il m'a donné d'être conscient du temps. Since I've been conscious of time. Une de ces pluies jamais vues avec des éclairs, vraiment un orage. It really started to rain that day. Le 31. The 31st of December. Et l'esprit nous avait averti. And the spirit told me. Alléluia. Hallelujah. Alors nous les équipes de prière. Oh, the prayer team. On a parlé à la pluie. We spoke to the rain. Et la pluie a obéi. And the rain obeyed. Amen. Amen. Je dis ça sur la pluie, je peux dire, j'ai tellement d'exemples. I have so many examples for you. Que le chrétien, the Christian, a un pouvoir, has a power, qui peut lui donner de dominer la création. That can make you dominate creation. Amen. Quand tu manques d'argent, when you don't have money, tu peux appeler les ressources. You can call forth resources. Parce que Dieu t'a créé, Dieu a dit à l'homme, tu vas contrôler la terre et ses ressources. God told man, you will control the earth and its resources. Et quand tu vas les appeler, when you call them, ça peut arriver miraculeusement. It can happen miraculously. Comme si Dieu peut te donner une certaine sagesse. Or he can give you a type of wisdom. Pour aller retrouver cette richesse dont tu as besoin. Get this wealth that you need. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est de manière scientifique que l'homme contrôle la nature et aussi de manière spirituelle. He does it both scientifically or spiritually. Par la science, on arrive à régler les microbes, on arrive à les traiter. By science, we treat the germs. Comme par l'autorité de la prière. By the authority of prayer. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. Are we together? Mais ce pouvoir, but this power, dépend de cette phrase. Depends on this phrase. Dieu dit, God said, créons l'homme à notre image, let's create God selon our image, notre ressemblance, according to our likeness, afin qu'il domine. So they can reign. Donc, pour pouvoir dominer, to reign, on doit ressembler à Dieu. You have to look like God. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Pour pouvoir dominer, to reign on this earth, pouvoir dominer, to reign, on doit ressembler à Dieu. You have to look like God. Pour qu'aucune situation extérieure for any external situation ne vienne nous vaincre, to come and to conquer you, il faut qu'on soit l'image de Dieu. You have to be at the image quand of Dieu God. Dit à Adam et à Ève qu'ils vont dominer, when he told them you will reign, c'est parce qu'il est conscient qu'il va avoir de l'adversité. Alléluia. Mais Dieu dit, but God said, Adam, je te crée à ma ressemblance. I will
create with tu vas, my likeness. Tu vas être mon image. You will be my image. Et là, tu pourras dominer. And you will be able to reign. Quand les problèmes, when the problems quand came, la nature, when nature came, quand les maladies, when the sickness quelles came, que soient les difficultés, whatever the difficulties, quand les crises financières, when the financial crisis feront ton visage, came to on your face, ils vont se mettre, he's gonna submit. Ils vont se soumettre. They're gonna submit to you. Alléluia. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Quand la Côte d'Ivoire était en guerre, when Ivory Coast was in war, on pouvait pas sortir. We couldn't go out. On a vu la nature, le pain, la farine, l'huile obéir et se multiplier jusqu'à ce que on puisse faire des achats. We saw oil and flour ouais. multiply until we could buy them. Amen. On a vu des choses. On a vu. We saw these things. Et enseignant ces choses à un de mes enfants spirituels, il passait par des moments très difficiles. And my spiritual sons, they were very il n'avait pas du travail. Time. They had, there was no work. Il a prié sur son réservoir de carburant. They prayed for the reservoirs. Il a parlé au gaz. They spoke to the gas. Le carburant n'est plus fini. And it was not finished. Il a parlé au gaz. He talked to the gas. Pour faire la cuisine. To cook. Là-bas, on utilise des bouteilles de gaz. We use bottles of gas over there. Et tu vois, on voyait que c'était fini. And you saw that it was finished. Il a consommé jusqu'à la fin. And it was almost finished. Mais le gaz a continué de faire cuire la nourriture à la but maison. But it continued for us to continue to cook. Ce dont je te parle, what I'm talking about, c'est la réalité de Christ en nous. It's the reality of Christ in us. Tu n'as aucune idée celui que tu pries. The person that you pray c'est to. Qu'il peut faire. What he can do. Mais la Bible dit, but the Bible says, cette domination this reign, dépend de l'image que tu dis. Je vais créer l'homme qu'il me ressemble. It has, et là, il pourra contrôler. It depends on the image of God. Il faut qu'il me ressemble. They have to look like alors, me. Cette ressemblance, nous l'avons perdue. And we lost this lorsque likeness. Adam et Ève ont péché, when Adam and Eve sinned, l'homme n'a plus ressemblé à Dieu. We didn't look like God anymore. Ressembler à Dieu. To look like God. Dieu étant un esprit, c'est pas avoir le nez, les oreilles de Dieu. God is a spirit. It's not c'est pas avoir like les yeux de Dieu. It's not to have the eyes of parce God. Que Dieu est comme du vent. Because God is like wind. Donc être l'image de Dieu. To be in the image of God. C'est avoir le caractère de Dieu. To have the character of ça God. Ça veut dire, quelqu'un ressemble à Dieu. If someone looks like God. Parce que tel que Dieu est patient, il est aussi patient. If God is patient, you are also patient. Tel que Dieu est bon, il est bon comme Dieu. If God is good, you are good just like Dieu God. Dieu aime, il aime comme Dieu. God loves, you love just like God. Donc ressembler à Dieu, to look like God, c'est avoir le caractère de Dieu. To have the character of God. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. Alléluia. Et comment est Dieu? How is God? 1 Jean 4 dit Dieu est amour. 1 John 4 says he is love. Il n'y a pas d'autre chose. Lorsqu'on dit que tu es image de Dieu, when you say he's ça veut dire God, que tu reflètes l'amour that means de Dieu. You reflect the love of God. Lorsqu'on t'observe, when they look at on you, voit la douceur du they Christ. See the patience of God. On voit la patience de Christ. They see the patience of God. On voit la bonté. They see the goodness. On voit la douceur. They see the gentleness. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Ça veut dire, on te regarde et on dit, wow. They say, wow. Il ressemble à Dieu. He looks like God. Et on voit la puissance we see the power de Dieu. Of God. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. 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 Amen. Plus tu ressembles à Dieu, the more you look like Dieu va God, faire des choses hors du commun God avec toi. Will do things unordinary with you. Amen. Et le texte qu'on vient de lire and the text that we just read nous dit told us, pour être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. That we will be filled with God. C'est ce qu'on vient de lire en Éphésiens. That's what we read in Ephesians. Il dit Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute, dis avec moi toute, say with me, fullness, la plénitude the fullness de Dieu. Of God. Personnellement, moi, ce passage m'effraie toujours. This passage always makes me scared, réel. But it's real. Il y a des gens avec qui Dieu agit de manière illimitée. There's people God has no limits with. Et tu as un visage d'une personne dans la vie de laquelle Dieu va agir ainsi. And you have the face of someone who God will use. Et comme, tu as vu le passage, you see the passage? Lorsqu'on remonte au verset 17, when you look at verse 17, il cite quatre choses. It says four things. Amen. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, donc on est sauvé par la foi, ça c'est la première des choses. Amen. Christ habite dans notre cœur par la he foi. Lives inside of us by faith. Je suis sauvé par I'm saved la by, foi. By faith. Mais quand Christ vient habiter par la foi, when Christ comes to live by faith, terminé. It's not finished. Christ est en nous. Christ is in us. Dieu est rentré en nous. God comes avec too. Tout le caractère de Dieu. With all of the characteristics. Dieu doit grandir. God has to grow inside of us. Il doit prendre le dessus. He has to come and get sur notre chair. On our nos émotions. Our emotions. Et révéler la divinité. And reveal divinity. Amen. Et dit ceci. He said this.
Alléluia. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. By faith. Maintenant, ce qu'il faut, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, amen, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Dis avec moi la largeur. Say the width. La longueur. The length. La profondeur. The depth. Et la hauteur. The height. Ça fait quatre choses. That's four things. La largeur. The width. La longueur. The length. La profondeur. The depth. Et la hauteur. And the height. Ce sont ça les quatre dimensions de l'amour. Those are four levels of love. La Bible dit que nous devons comprendre. We have to understand. Le mot comprendre n'est pas une connaissance intellectuelle. And it's not an intellectual understanding. Nous devons appliquer. We have to apply. Donc, il faut se poser la question. You have to ask yourself this question. Pour avoir toute la, parce que c'est le texte qui continue en disant. The text says. De sorte que vous soyez remplis. That you could be filled. Continuons la, verset 19. Verse 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. So you can have all of the fullness of Donc, God. Un chrétien, a Christian, qui veut être l'image de Dieu, that wants to be the image of God, doit travailler la largeur. You have to work the length. La longueur, the length, la profondeur, the depth, et la hauteur, and the height. Amen. Amen. Ce qui signifie, what does this mean? Que je peux travailler la profondeur, I can work on the depth, sans avoir la largeur, without having the length, et je peux, ou je peux faire la largeur, or I can have the length, sans la profondeur, without the depth, ou je peux travailler la hauteur, or I can have the height. Parce que les quatre aspects ne produisent pas les mêmes choses. Because the four things will produce the same things. Chaque aspect est une facette de Dieu. They all have a facet of God. C'est les quatre au complet. It's the four ones completely. Dieu dans son amour. That represent God in His love. L'amour est en toi par le Christ qui est rentré dans ta vie. Love is inside of you with Christ that's in you. But now, l'amour doit se manifester. Now it has to be manifested. Un chrétien, a Christian, ne demande pas l'amour. You don't ask for love. Bon, même si tu le fais, Dieu comprend de quoi tu parles. Even if you ask it, God understands. Mais il ne faut pas croire que l'amour est en dehors de toi. But don't think that love is outside of you. Non. No. L'amour est dans ton cœur. Love is inside of your heart. Par le Saint-Esprit. When you talk to the Holy Spirit, ce qu'il faut, what you need, c'est permettre à cet amour de jaillir. It's for this love to paraître. For it to manifest. La révélation des fils ou la manifestation. It's the manifestation of the sons. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Si on est ensemble, on fait comme ça. If we're together, do like this. Alléluia. 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 Donc là où tu es, la Bible dit que l'amour est patient. Ça love veut dire patient. Que ton vrai toi né de nouveau est très patient. That means the real you born again is really patient. Oui. Yes. Tu es très patient. You are very patient. Tu dis, ah, parce que je ne me reconnais pas. You say, ah, Pastor Mayo, that's not true. La Bible dit, l'amour pardonne tout. The Bible says that love forgives everything. Wow. Wow. Ça veut dire que le Christ en toi the Christ that's in te you donne la capacité gives you the capacity de ne plus être vexé for you not to be shameful par les coups et les méchancetés des autres. By the evil that people do to si you. Tu laisses Christ se manifester, if you let Christ manifest, les gens te feront du mal. People will do evil to you. Mais tu ne sentiras même pas. But you're not even going to feel it. Si la semence qui a été mise en toi par la nouvelle naissance, the seed that was put in tu la laisses agir, if you let it grow, elle va tu vas voir combien de fois tu es doux. You'll see that you're combien gentle. De fois la bonté en toi. That goodness is inside of you. Et tu vas sentir avec ça la force et la puissance de Dieu. And you're gonna feel the power of God. Si la foi déplace des montagnes, if faith takes away the mountains, l'amour déplace le ciel. Love will move the heavens. Dieu n'a pas donné son fils unique parce qu'il avait foi dans les humains. God didn't give Jesus because he had Dieu faith. Dieu a donné son fils unique. Parce qu'il a aimé. He gave Jesus because he loved. Le ciel est venu sur la terre par amour. The heavens came to earth because of love. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? La Bible dit il y a trois choses: l'espérance, la foi et l'amour. Faith, love, la and plus love. Grande, but the c'est great l'amour. Of these things is love. Or, la foi comme un grain de sénévé déplace une grande montagne. Faith can move a mountain. Pose-toi la question. Ask yourself si this question. Si l'amour est plus grande que la foi, if love is greater than faith, qu'est-ce qu'elle peut déplacer? What can love move? Pose-toi la question. Ask yourself this question. Alléluia. Alléluia. L'amour n'est pas une faiblesse. Love is not a c'est weakness. Satan qui veut faire croire aux hommes que l'amour est une faiblesse. Satan will make you think that love is a weakness. L'amour est la plus grande force qui existe dans it's the greatest force in here c'est in earth. De la puissance pure. It's pure power. L'amour, il y a de la santé. There's health. Quand vous aimez, when you love, toutes vos cellules all of your cells sont épanouies. They're good. La Bible dit
The Bible says, un des aspects de l'amour, one of the aspects of la love, joie is joy. Est un grand remède. It's a great, mais la joie vient de l'amour. But it comes from love. Quelqu'un qui est triste manque d'amour. Someone who is depressed needs love. Oui, l'amour, l'amour est joyeux. Love is always happy. Quand vous avez plus, vous avez d'amour. More love vous allez you sentir have. Que vos cellules même vont enlever les maladies. Your vous allez de mieux en mieux vous sentir. Your cells will remove sicknesses. L'apôtre Paul dit à Timothée, l'exercice spirituel est utile à tout. Spiritual exercise is good for everything. L'amour. Love. Que Dieu te donne de manifester l'amour dans tout son potentiel. May God give you to manifest love in everything that you do. Alléluia. L'amour t'aide à réaliser tes rêves. It makes non you pas tes rêves, mais ta destinée. But your destiny makes you reach your destiny. Ça, c'est ce dont j'ai prêché tout à l'heure. That's what I preached about the other day. L'amour dans sa largeur. It's in its width. La Bible dit dans le livre de Proverbes. In Proverbs. Tu aimeras ton prochain. La Bible dit dans le livre de Matthieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. You will love your neighbor as yourself. Tu aimeras Dieu d'abord. Tu aimeras you will ton prochain. God first et and then your neighbor. De ces deux commandements. Of these two. Mais Matthieu 7:12 dit que c'est beaucoup plus du commandement du prochain. But it's not so much a neighbor. Donc, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. You will love your neighbor as yourself. De ces deux commandements with these two commandments, it depends. Toute la loi all of the laws et les prophètes. And of the prophets. Il n'y a aucune destinée there's no destiny qui s'accomplit en relevant tes propres défis. That will, what you will get when you get your own trials. Tu ne vas jamais rentrer dans ta destinée you will never go to your destiny parce que tu as trouvé de l'argent because you found money pour payer régulièrement tes loyers. To pay your rent regularly. Il n'y a pas de héros. There's no hero parce qu'il a résolu ses propres problèmes. Because they resolve their own problems. Dis-moi, tu connais un? Do you know one? Quelqu'un qui est devenu le plus grand au monde. On dit pourquoi? The greatest of this earth. Il a tellement d'argent qu'il paye toujours son loyer et il va en vacances. He has so much money, he pays his rent and he goes to regular vacations. C'est toujours parce qu'il a résolu le problème d'autrui. It's always because he solves someone else's problems. Toujours. It's always. Bill Gates est grand parce qu'il a résolu beaucoup de nos problèmes. Because he resolved a lot of our problems. Pas parce qu'il a réglé ses problèmes. Not because he solved his own problems. Amen. Amen. Jeff Bezos est célèbre parce qu'il a résolu beaucoup de problèmes de nos courses. Jeff Bezos resolves a lot of our problems. That's why he's a celebrity now. Parce qu'il nous évite d'aller tout le temps faire des achats. On va sur internet et puis on se livre à la maison. He invites us to make purchases on Amazon. Et on était content, on lui a donné beaucoup d'argent. And we're happy, we're giving him a lot of money. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? C'est ce que Dieu dit. This is what God says. Qu'en fait, now, la prophétie de ta vie. The prophecy on your life. Il dit car la loi et les prophètes dépendent. Ça veut dire il y a une loi de, il y a un lien. There's a link. Entre les prophéties qui disent ce que tu vas être demain, between the la prophétie c'est la parole que Dieu a semée pour ton futur. C'est ça la prophétie. It's the word that God told you. That's what a prophecy is. Ce que tu dois réaliser, what you have to do, est fonction and function du comportement que tu as vis-à-vis d'autrui, of the of your attitude towards your neighbor. Alors, tant que des chrétiens vont être dans l'esprit de ce monde, when the Christians are in the spirit of this world, vivant que pour eux. They're just living for themselves. Venant à l'église, they just come to church. Ne priant pas réellement pour leurs voisins. They don't pray for their neighbors. Et ne parlant même pas aux voisins de leur quartier parce qu'ils n'est pas chrétien. They don't talk to the neighbors in their area because they're not Christian. Aimer son prochain, ce n'est pas aimer les frères. It's not just to love your brothers. Aimer son prochain, to love the neighbor, c'est aimer la personne qui est la plus proche de toi. It's the person that's the closest to you. C'est tout. That's all it is. Si j'habite dans ce quartier, if I live in this area, mon voisin, my neighbor, est mon prochain, is my neighbor. Qui qu'il soit, whoever it is, je dois l'aimer. God loves him, comme je m'aime. Like he loves me. Je dois prier pour lui. I have to pray for him. Parce qu'il a eu la chance d'être mon voisin. Because he is my neighbor. Alléluia. Alléluia. Lorsque j'arrive au culte, when I come to church, celui qui est à ma gauche, the person who is at celui my qui left, est à ma droite, the person who is at my c'est right, mon voisin. That's my neighbor. Je dois l'aimer. I have to love him. Comme moi-même. Like myself. Et puis le mot prochain est un mot qui est relatif. The word neighbor is relative. Donc après le ton premier voisin, il y a le voisin du voisin. After your neighbor, there's another neighbor, and there's another neighbor. C'est ce qu'on appelle la largeur de l'amour. That's the width of love. Quand tu augmentes la largeur, when you increase the en fait, width, tu élargis tes bras. You make it large. Et tu amènes dans ton cœur beaucoup plus de personnes. And you bring tu, more people donc, inside of your heart. Jésus. Jesus. Aime large. He loves wide. Jésus n'a pas simplement aimé les Juifs. He didn't just love the Jewish people. Il a passé la frontière. He broke the barrier. Il est arrivé en Afrique. Il a aimé les Africains. He went to il Africa. A aimé les Américains. He loved Americans. Il a aimé les Indiens. He loved Indians. Il a aimé les Chinois. He loved the Chinese. Son amour est large. His love is wide.
Alléluia. Alléluia. Donc un chrétien a Christian développe la largeur de son amour. You have the width of your love. Plus il pense aux autres. The more he thinks of the other person. Et il prie pour eux. And he prays for that person. Et il est patient envers eux. It's the patience il leur fait du bien. He does good to that person. Que ton amour soit de plus en plus large. May your love be as wide. Amen. Mais s'il te plaît, but please, Dieu utilise le mot prochain à dessein. He uses the word neighbor. Ne va pas très loin. Don't go too far. Ça veut dire, aime le plus loin possible, mais commence par aimer les plus proches jusqu'à... But voilà. you parce qu'il y a des frères, il y a des personnes. There are people. Ils sont avec nous ici à Tabernacle of Glory. They're here at Tabernacle of Glory. Et non, moi ici à Tabernacle, les gens n'aiment pas trop moi. Je suis avec people eux. Don't. I don't like these people. Je suis un membre. Je prie pour telle autre église qui est juste en Côte d'Ivoire. I pray for another church that's far away. Et les frères qui sont tes prochains immédiats. And the brothers who are here. Tu t'en occupes pas. You don't care about them. Ça c'est pas l'amour. That's de la largeur. Love. La largeur commence du plus proche. It starts with the closest. And it goes, ça ne va pas de loin. It goes, pour venir. Goes far. It starts from here and it goes throughout. Élargis. Touche ton voisin. Commence à dire, je te prends dans mon amour. Widen, touche, widen, va ainsi de suite. Widen your arms. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Alors, quand tu vas commencer à élargir ton amour, when you're gonna grow your love, il y a quelque chose qui va se passer. Something's gonna happen. C'est que ton voisin, your neighbor, a des qualités, has qualities, mais il a des défauts aussi. But he also has bad things. Dès l'instant où tu commences à manifester davantage la largeur de l'amour, on va te blesser. When you start manifesting love, you're gonna get hurt. Tu vas souffrir. You're gonna suffer. Aimer large, loving wide, c'est dangereux. It's dangerous. On souffre. You suffer. C'est la raison pour laquelle on a tendance à. That's why we sometimes we close ourselves. Parce que tu dis à quelqu'un, je vais lui faire du bien. You say to someone, I'm going to do too good to him. Et même quand tu manifestes, bonjour frère. Good morning brother. Comment ça va? How are you? S'il ne sait pas pourquoi tu le salues en souriant, il va t'agresser. He doesn't know why you're saying pourquoi hi to him. Comme ça? Why are you talking to me like that? Who are you? Pourquoi tu t'occupes de moi? Why are you talking to me like that? Tu dis non, on dit d'être large. He said, no, I'm just being large, I'm just being wide. La largeur fait souffrir. The wideness will make you suffer. Les gens ont tué Jésus. Parce qu'il est venu sur la terre. People killed Jesus because he came on earth. C'est parce qu'il a manifesté l'amour large qu'on l'a tué. That's because he manifested wide love. Il faut que ce soit large. It has to be large. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? We together. Alors, il y a deux qualités de l'amour dans les autres éléments. There's two qualities of love. Qui vont t'aider à résoudre ce problème. That will help you solve this. Quelle que soit la situation. Whatever situation. Tu dois continuer de faire le bien. You have to continue to do good. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En fait, même les trois autres éléments, the three other elements, les trois autres éléments, the three others, t'aident. La hauteur de l'amour, par exemple, the height of love, for example, amen. C'est un type d'amour. Tu aimes en largeur, mais tu es en hauteur. But you are high, the height. Ce qui fait que plus tu es en hauteur, the more high you are, les jets de plus tu es en hauteur, moins ceux qui sont en dessous peuvent t'atteindre. The lower people cannot get you. L'amour doit être large. It has to be. Mais la Bible dit aussi, il faut développer la hauteur. But you have to also have the height. Quand tu es en hauteur, when you have the height, les vallées, les montagnes peuvent pas te toucher. The mountains can't touch you. Les injures, les gens peuvent venir là te cracher. The things that Mais people do to you. Tu es dans l'avion. They can spit on you, but you are in dis, your plane. Tu dis qu'est-ce qui se passe? You just say, what's happening? Reçois, manifeste la hauteur de l'amour. Receive the height of love. Alléluia. 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 Mais la Bible commence par la largeur parce que la largeur est le bon démarrage. It talks with wide because wide c'est la largeur is the best qui way to start. Va permettre de développer les autres aspects. It's going to let you develop the other aspects. Et aller manifester l'amour dans sa vraie définition. To manifest love in its real definition. Amen. Amen. Juste après le passage, il parle de la longueur, mais je crois que je ne ferai pas la longueur. I don't know if I'm going to do the length of love. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je vais faire la profondeur déjà. I'm just going to do depth. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Amen. Il dit quelle est la largeur, afin de connaître la largeur, la longueur, the length, la profondeur. The depth. Tout à l'heure, j'étais hésitant, je dis, mais je vais faire la profondeur. I'm gonna do the depth. Dis avec moi la profondeur. Say depth. La profondeur. Say depth. Reçois un amour profond au nom receive de Jésus. A profound love. Reçois un amour profond au nom receive de Jésus. A profound love in Jesus name. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour que ton amour soit vrai. For your love to be true. Ce qui ne soit plus
détruit. So it's no longer destroyed. Il faut qu'il soit profondément enraciné. It has to be deeply rooted. La profondeur de l'amour. The deepness of Ephésiens love. Dit afin qu'étant enraciné dans l'amour. You were enrooted in love. Enraciné dans l'amour. You're rooted in love. Amen. Vous puissiez comprendre. So you can understand. En fait, on n'aurait même pu commencer par la profondeur de l'amour. We can even begin with. Mais the pour comprendre depth, la profondeur, to understand the depth, il faut vivre la largeur. You have to live the width. Dis avec moi la profondeur. Say width. La profondeur est un aspect très important dans l'amour. It's very important of love. Alléluia. C'est lui, vous savez, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. The glory of God is to hide things. La gloire des rois, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. The glory of kings to search things. C'est l'amour profond. It's profound love. Qui donne à un homme une intelligence surnaturelle qui l'amène à comprendre les mystères que les autres ne comprennent pas. So you can understand mysteries that others don't understand. It's the love. Amen. Amen. Écoute, tous les grands scientifiques qui font des découvertes. All of the great scientists who made discoveries. C'est parce qu'ils aiment leur domaine. It's because they love what they're doing. C'est comme si la nature. It's like nature. En fait, l'amour est dans tout. Love is in everything. La nature ne révèle que sa beauté. Nature reveals its goodness. Lorsqu'elle est aimée. When it's loved. Et les hommes sont pareils. And men are the same. Un enfant s'épanouit. Child dans un environnement d'amour. Is an environment it nous grows. Nous sommes sortis de Dieu. On a été créés dans l'amour. C'est notre nature. It's our nature, love. We were created in love. Et toute l'intelligence qui est en toi. And all the intelligence that's inside of you. Toute la puissance de Dieu qui est en toi. All of the power that's in you. Se manifeste. It's manifested. Par un élément, la profondeur de l'amour. With the depth of love. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Le comportement des gens que tu aimes quand on dit le prochain. When we talk about your neighbors. Va t'aider à rendre ton amour plus profond. How you treat your neighbors is going to help you make your love very deep. Quand on parle de la profondeur, on fait référence à quoi, par exemple? When we talk about depth, what do we talk about? En Matthieu chapitre 5. Matthew chapter 5. Amen. Amen. Bon, je vais sauter ce passage plutôt sur un autre. Bon, je vais aller trouver la référence exacte. En Matthieu chapitre 7, je crois. Matthew 7, I believe. Amen. Amen. Je ne passe exactement sur ma diapo. Alléluia. Retrouve-moi la référence. La Bible dit que the Bible says that celui qui a bâti sa maison sur le roc, the person who built their house on a rock, et qui a bâti une maison donc inébranlable, who built a strong house, il dit si quelqu'un bâtit sa maison sur le sable, if someone built on the sand, les tempêtes, le vent vont l'écrouler. The storms will destroy the house. Et il utilise cette expression. Il dit celui qui a creusé. Il parle de creuser deux fois. He talks about digging twice. Il dit celui qui a creusé, creusé. The person who dug. Et qui bâtit sa maison sur le roc. And who built on the rock. Quels que soient les problèmes. Whatever the problems. Ça veut dire que celui qui allait en profondeur. The person who went in depth. En bâtissant une maison. By building a house. Bâtit une maison inébranlable. Built a strong house. Alléluia. Alléluia. Si tu veux bâtir un amour qui ne tombe jamais, if you want to build a love that will never fail, il faut que ton amour soit profond. It has to be deep. C'est ce qu'on appelle la profondeur de l'amour. It's called the depth of et love. Plus ton amour sera profond, the more deep it plus is, tu vas découvrir de grandes choses. You will discover great plus things. Ta sagesse va s'accroître. Your wisdom will plus grow. Dieu va te révéler des mystères. He will reveal to you mysteries. Amen. Amen. Normalement, sur la profondeur de l'amour, j'ai dû prendre beaucoup de dimanches pour aborder ce point. I took a lot of Sundays to teach this in my church. Alléluia. Tout à l'heure, je réfléchissais par qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais pas dire sur la profondeur. Alors, voilà ce que j'ai envie de dire sur la profondeur. Here's what I want to say about depth. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Say amen to God. Alors, vous savez ça, hein? Ça c'est simple. And you know this. Lorsque je regarde ma femme, puis je dis j'aime ma femme. When I look at my wife and I say I love my wife. Je regarde mon enfant et puis je dis j'aime mon enfant. I look at my kids, I said I love my kids. Okay. Je regarde le poulet. I look at the chicken. Et je dis j'aime le poulet. I say I love the chicken. Et je dis voilà, j'aime le poulet. I love the chicken. J'aime le poisson. I love the fish. Dans les deux cas, c'est le même verbe aimer. It's the same word love. Mais ça veut pas dire la même chose. But it doesn't mean the same thing. On est d'accord? Are we together? Amen. Quand tu dis au poulet que tu l'aimes, when you tell the chicken that I love you, il sait qu'il est en danger. He knows that he's in danger.
il sait. He knows. Que sa vie est menacée. He knows that his life won't be for long. Amen. Amen. Quand tu dis à ta femme que tu l'aimes, when you tell your wife that you love her, elle veut s'approcher de toi. She wants to come towards you. Quand tu dis au poulet que tu l'aimes, when you say to the chicken I love you, il cherche à s'enfuir. The chicken wants to go. Mais pourtant dans le même cas, the same thing, on a utilisé le mot aimer. We use the word love in the same. Alléluia. Amen. Alors, comme vous le savez, as you know, cela vient un peu de la limitation du langage. That comes with limitation of languages. Même si on l'a en français comme en anglais. Same thing with French and English. Mais dans la parole de Dieu, but in the word of God, les mots que nous on traduit par amour sont utilisés différemment. The word that translate love are used differently. Vous le savez aussi tout ça. I know you all know all of these. Alléluia. Amen. Il y a le type d'amour qu'on va appeler eros. There's eros type of love. Il y a le type d'amour qu'on va appeler l'autre de vous qu'on va appeler philéo. There's a philéo type of love. Et puis il y a un type d'amour qu'on appelle agape. There's agape type of love. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de l'amour profond, we talk about deep love, ce sont les croyants, it's the believers, qui développent leur amour, that develop their love, jusqu'à aller aimer Dieu, aimer les autres en mode agape. To love God and others in mode agape. L'amour agape, agape love, c'est l'amour de Christ en vous qui est caché quelque part. It's the love of Christ in you that's hidden somewhere. Vous devez enraciner votre amour pour aller chercher cet amour. You have to go look at it. You have to go seek for it. Et puis permettre à ce que ça se manifeste. And so it can be manifested. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? À la projection, j'ai donné une image. I gave an image to projection. On peut avoir l'image du verre et de la racine. Can we have the image, please? Okay, gloire à Dieu. Praise God. Alors, pour parler de la profondeur, to talk about depth, vous avez cette image à l'écran. You have this image. Alors, vous avez une plante. You have a plant here. Amen. On va dire que ça c'est l'art de l'amour. This is the tree of life. La Bible dit étant enraciné dans l'amour. We're enrooted in love. Donc les racines de l'amour doivent aller très loin. The roots of love must go deep. Il y a un type d'amour. There's a type of love. Tu vois quelqu'un qui manifeste de l'attention, il est attentif, il est affectif. You see someone who's affectionate. Do you see someone like that's affectionate? Mais ce qu'il manifeste. But what he's manifesting. Est de l'amour qui vient de la chair. It's fleshly love. Ce n'est pas profond. It's not deep. C'est un amour superficiel. It's superficial love. Tout mariage, toute entreprise, tout ce qui est bâti avec ce type d'amour, everything that's built on this type of love, sera détruit par la will be destroyed avec le temps. Will be destroyed over time. It's not possible. Amen. Amen. La racine de ton amour, the root of your love, doit aller encore plus profondément. It has to go even deeper. Et elle doit arriver jusqu'au niveau. Après, la chair peut toucher l'âme. On peut avoir la diapo. Voilà, ça c'est là. Vous voyez la racine? You see the root? Elle est au niveau de l'âme. Now it's at the level of the soul. Ça va aussi donner un arbre. It will give a tree. Et Jésus a donné cette image en parlant du semeur qui est sorti pour semer. Jesus talked about the planter. Il dit qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer. It was someone that was planting. Le premier grain est tombé dans un endroit sur le chemin. The first seeds fell on the road. C'est la semence de Christ qu'on appelle l'amour. That's the seed of Christ called love. Le diable est venu l'enlever. And the devil came to take it away. La deuxième partie, the second place, est tombée dans un endroit où il y avait de la pierre. It came in rocky places, and he said, ce sont les gens de croyants émotionnels. These are emotional believers. Dès qu'ils entendent le message, when he hear the message, ils sont tout feu. They're on fire. Mais dès qu'ils suivent un problème, but when they have a problem, leur amour sèche. Their love is dry. Alléluia. Alléluia. Et on peut encore creuser. We can deeper. Pour arriver jusqu'à l'âme. To go to the soul. Alléluia. Si tu comprends cette partie. If you understand this. Avec l'amour en profondeur, tu vas sauver ton foyer, sauver ta vie. You'll save your family, you'll save your business, everything. C'est l'amour qui rend heureux. It's the type of love that will make you happy. It's here, right here. C'est cet amour-là, l'amour profond qui donne la santé. It gives you health. Amen. Amen. Donnez bon amen à Jésus. Say a good amen to Jesus. Il y a la racine qui va jusqu'à l'âme. There's another one that goes to the soul. C'est un amour qui est le plus fréquent, qui est un amour très émotif, émotionnel. It's the emotional type of love. Et puis, and now, on peut encore creuser pour aller jusque dans l'esprit. Now we can go deeper into the spirit. La troisième plante, the third plant, la racine arrive jusqu'à l'esprit. The roots go to the spirit. À partir de là maintenant, tu peux t'étendre. Now you can go deeper and deeper. Mais c'est là que commence l'amour. But that's le where vrai. Love comes.
véritable. The true love. L'amour agapé. Agape love, it's there. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le premier type d'amour, the first type of love, je vais le faire vis-à-vis de Dieu I'm gonna do it with God, et vis-à-vis des personnes. And other people also. C'est un amour. It's a type of love. Donc, la racine se trouve dans la chair. Vous avez deux types. Vous avez ce qui est tombé sur le chemin. Ça, c'est... Hein? En termes d'amour, c'est ce qu'on appelle souvent les petits coups de foudre. It's the fleshly type of love. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, tu vois quelqu'un, la personne t'attire. The person is you're attracted to this person. Alléluia. Mais ce n'est pas quelque chose de profond. But it's not deep. La plupart des chrétiens a lot of Christians, n'arrivent pas à manifester Christ. They don't manifest parce que Christ beaucoup de gens because a lot of people, ont des relations superficielles they have superficial relationships, qui ne sont pas profondes it's not deep, en ce qui concerne l'amour. As it deals with love. Alors, comment se manifeste l'amour superficiel et puis l'amour charnel? How does this love manifest? La chair the flesh, est naturellement égoïste. Is naturally selfish. La chair the flesh pense à elle-même. It only thinks about itself. Et l'âme aussi. And the soul too. Ton âme. Les deux là these sont two, égoïstes. They're selfish. C'est pas du vrai amour. It's not real love. Et c'est un amour qui finit par détruire. It will destroy you, this type of love. C'est un amour qui finit par détruire. It's a type of love that will destroy you. Beaucoup de personnes a lot of people pense que c'est ce qu'il faut chercher. They think that that's what they have to look for. Mais vous pouvez, si vous voulez manifester l'amour de Christ, if you want to manifest the love il faut of savoir Christ, qu'il n'est pas seulement Eros. It's not just Eros love. Eros, c'est ce qui attire physiquement vers les gens. It's the thing that attracts you physically towards other people. Tu aimes quelqu'un pour sa beauté. You love someone because they're beautiful. Pour la manière dont elle parle. The way tout ce qui she talks, everything that you can oh, see. Quand il parle. Oh, look at the way he talks. I love his voice. Wow. Oh, wow. Ça, c'est pas bon. That's not good. Amen. Vous avez l'amour. You have love. C'est superficiel par rapport à ta. Ou bien certains qui aiment par rapport à. Tu vois, la dame, elle dit, je suis amoureuse de lui. Oh, the lady said, I love him. Mais elle aime l'argent. But she loves the money he parce has. Parce qu'il a de l'argent. Because he has money. L'amour charnel. Fleshly love. Il est intéressé. He's interested. Il est juste pour la satisfaction d'un besoin corporel. He just has a physical need that he needs to satisfy. Alléluia. Alors si tu viens à l'église, if you come to church, quand le pasteur touche des problèmes, ça veut dire que si tu n'es motivé que lorsqu'on va faire un culte, if you're just motivated when there's service, pour ton bien-être, for just yourself, pour ton travail, for your work, pour tout ce qui résout tes problèmes physiques, everything that resolves your physical problems, tu ne seras pas heureux dans la vie. Then you're not going to be happy in life. Parce que ce n'est pas le vrai amour. Because that's not real love. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Glory to God. J'ai un message que j'appelle l'amour politique. I have a message called love for ethics. Non, politique c'est chicken love. Chicken love. Chicken nick. Chicken sit. Chicken quelque chose. Something chicken. Chicken love. Alléluia. Beaucoup de gens pensent qu'ils aiment leur conjoint. A lot of people think they love their loved one. Mais si tu comprends l'amour en profondeur, tu vas comprendre que non. But if you love love, if you see love, you understand it's not true. En fait, tu aimes ton ami, tu aimes ton conjoint comme tu aimes le poulet. You love your friend just like you love the chicken. Mais tu te rends pas compte. But you don't understand. Alléluia. 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 Alors, quand on dit qu'on aime le poulet, qu'est-ce qu'on aime? When we say we love the chicken, what do we really love? En fait, on n'aime pas le poulet. We don't love the chicken. Mais on aime ce que le poulet produit dans notre corps. We like what the chicken does to the body. Donc, ce n'est pas le poulet qu'on aime. It's not the chicken that we love. C'est notre corps qu'on aime. It's our body that we love. Et le poulet nous fait du bien. And the chicken does good to us. Alors, now, est-ce que tu me suis? Are you following quand me? Tu manges le poulet, when you eat the chicken, la sensation, the sensation, lorsqu'il vient, de, je ne sais pas comment tu aimes ça, cuit de certaines façons. I don't know how you cook it here, but c'est qu'il produit. It produces. Et le goût. And the taste. Tu dis, wow, you say, wow. J'aime le poulet. I love the chicken. Tu n'aimes pas le poulet. You don't love the chicken. Tu aimes ce que le poulet t'apporte. You love what it brings to you. Amen. Et souvent, tu poses la question. And you ask the question. Quand les gens vont venir, souvent les gens vont venir se marier. People come to get married all the pourquoi time. Pourquoi tu aimes cette dame? Why do you love this woman? Je l'aime. I love her. Quand j'entends sa voix, when I hear her voice,
Elle me fait du bien. She does good to me. Ses yeux. Her eyes. Son regard. The way she looks. Sa douceur. The way she's gentle. Il me parle tellement bien. She talks to me so well. Que on dit, ma fille, mais pourquoi tu aimes ce frère? And they say, why do you love this brother? Il est le seul. He's the only one qui me comprend. That understands me. Pourquoi tu aimes ce monsieur? Why do you love this tu man? Veux te marier avec lui? Why you want to get married to him? Pour la première fois, for the first time, j'ai vu quelqu'un. I saw someone qui me comprend, who understands, qui sait m'écouter, who listens to qui me, sait m'entendre, who knows how to listen to me, qui sait m'entendre, who knows how to listen to me. Mais laisse-moi te dire, but let me tell you, tu ne l'aimes pas. You don't love him. Ce que tu manifestes, tu l'aimes comme on aime un poulet. You love him just like you love a chicken. Tu, non, sérieux, tu ne l'aimes pas pour lui. You don't love him for him. Tu l'aimes pour ce qu'il t'apporte. You love him because of what he brings to you. Quand il est avec toi, when he is with you, c'est toi qui es bien. It's you that feels la question good. À te poser, est-ce que lui il est bien? Is he good? That's the question. Quand il marche avec toi, when he walks with you, quand il me parle, when he talks to me, je me sens bercé. I feel like I'm je me sens encouragé. I feel encouraged. Il sait me comprendre. He knows how to understand. Mais est-ce que toi tu le comprends? But do you understand him? L'intérêt que tu as pour lui the interest that you have in him est égoïste. It's selfish. Aujourd'hui, la plupart des gens se marient a lot of people get married today avec des types d'amour superficiels. With superficial love. Les gens se marient people get married. Pas pour ce qu'ils vont t'apporter, not because of what you're mais pour ce que them, toi, tu leur apportes. But for what you're gonna bring them. Ce qui fait que le jour où tu ne leur apportes plus rien, the day that you no longer give them anything, s'ils étaient tombés amoureux de toi parce que tu as une voix suave quand tu parles. If baby, they loved you because you had a nice voice. Baby. I love you. Tu es si belle. You're so beautiful. Alors le jour the day où il va changer de langage, change his language, il va t'appeler par ton nom. He's gonna call you what by your Florence. Name. Florence. Avant c'était baby. Before it was baby. Maintenant c'est Florence. Now it's Florence. Est-ce que tu sais que plus tu vas rester dans ce foyer, moins tu vas aimer ce foyer? The less you will leave that. Parce qu'en réalité tu n'as jamais aimé ce monsieur. Because you never really loved this man. Tu aimais ce qu'il t'apportait. You loved what he brought for depuis you. Depuis qu'il a cessé de te l'apporter. As long as he stopped giving tu n'es you, plus attaché à lui. You're not attached to him anymore. Toutes les amours que nous manifestons, nous disons, je suis attaché à des personnes. All these loves that we have, we're attached to this person. Ça, c'est pas l'amour. It's not really love. C'est de l'égoïsme. It's selfishness. Pourquoi tu veux quitter cette femme? Why do you want to leave this woman? Pourquoi tu veux quitter cet homme? Why do you want to leave this man? Avant, I don't know. Il prenait soin de moi. Before he used to take maintenant, care of me, but now. Il ne m'écoute plus. He doesn't listen to me anymore. Il n'a plus mon temps. He doesn't have time anymore. Je peux plus vivre dans cette situation. I don't want to live in this il situation me dérange. Anymore. He gives me problems. Mais c'est ce qu'on fait avec le poulet. This is what we do with chicken, right? On aime le poulet. We love the chicken. Pas pour le poulet. Not for the chicken. Mais pour ce qu'il nous apporte. But for what it brings to us. Si le poulet n'est plus bon, if the chicken is no longer good, on le mange plus. We don't eat it anymore. Pourquoi tu es dans l'église? Why are you in church? Pourquoi tu as quitté l'église? Why did you leave church? Tant que le pasteur prêche un message qui te va. If the pastor preaches a quand message prêche, that you love, when he preaches, ça me fait du bien. Oh, this is a great message. Mais est-ce que toi tu lui fais du bien? But do you do good to him? J'aime cette église, pourquoi? I love this church, why? On m'aime dans cette église. They love me in this church. Mais est-ce que toi tu aimes les autres? But do you love other people? Je veux rester dans le groupe des chants. I want to remain in a worship team. Je veux quitter le groupe des portiers. I want to leave this group to join another group. Je les chante. I want to sing. Je trouve de l'attention. Et chez les portiers, là-bas on me parle durement. These people talk too hard to me. L'amour. Love. Normalement, il y a une différence entre l'amour Chanel et l'amour de l'âme, mais je vais aller rapidement. There's a difference between these types of love, but I'm going to go very les fast. Les deux types d'amour. The two types of love. Sont basés sur ce que les gens vous apportent. They're based on what other people bring you. Même Dieu. Even God. Dans le fond, a deep, tu n'as pas encore trouvé ton vrai amour pour lui. Tu n'aimes pas Dieu. You don't love God really. Tu n'aimes pas Dieu. You don't love God really. Le jour où Dieu ne t'arrange pas. The day that God doesn't give you what you want. Tu vas chercher ailleurs. You're going to go look for somewhere else. Tu n'aimes pas. You don't love him. La plupart des gens n'aiment pas Dieu. Most people don't love God. La plupart des gens que vous voyez pleurer. When you see them crying.
avec des larmes. And they're crying. Oh, je t'adore. Oh, I love you. Pourquoi on n'aime pas Dieu? They don't love God, really. Ce sont des larmes. It's just tears. Et on a des gens, quand ils se couchent, les larmes. There are people who just on the floor and they're crying. Parce qu'en fait, because la présence de Dieu leur fait du bien. The presence of God does good to donc, them. Ils aiment ça. So they love that. Mais l'amour, but love, ce n'est pas qu'est-ce que la présence des autres te fait. It's not just what they does to you. L'amour, love, c'est qu'est-ce que toi ta présence fait aux autres. Is what your presence does to others. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Tant que c'est satisfaire ton corps, as long as you satisfy l'argent que l'on peut t'apporter, the money that you can get, l'habit que les gens peuvent t'apporter, the clothing that I can give c'est you, pas ça l'amour. It's not love. Tant que c'est le côté maintenant, le côté de l'âme, quand la racine arrive à l'âme, when the root comes to the soul, c'est, les gens qui aiment émotionnellement vont aimer ceux qui aiment dans l'âme vont aimer des gens pour leur caractère. They love just for character reasons. Il dit, oh celui-là je l'aime, c'est un homme rigoureux. Yes, he's very rigorous. I love him. Ils aiment les gens pour leur tempérament. He loves people for their temper. L'amour de Christ pour nous. The love of Christ for us. Ce n'est pas du tout lié à notre attitude. It's not linked to your attitude. Jésus t'aime. Jesus loves you. Dans ta médiocrité. Even in your mediocrity. Dans ta beauté. Even in your dans flaws. Dans ta laideur. In your ugliness. Dans ta faiblesse. In your weakness. Dans tes manquements. In your lack. C'est pourquoi il dit afin que vous puissiez comprendre so l'amour de Christ. So you can understand the love of Christ. Pas la façon dont vous vous aimez. Not the way that you love. La Bible dit. The Bible says. Être l'image de Dieu. To be the image c'est aimer of God, comme Christ. Is to love like Christ. C'est arriver à un moment donné. At a certain time, à ne pas venir simplement à l'église pour ce qu'on va recevoir. Not just to come to church because of what I'm going to receive. Amen. Vous savez, le pasteur parlait des groupes de maisons. Pastor was talking about HPs. Beaucoup de gens vont vouloir y entrer parce que là-bas ils vont espérer trouver une famille. A lot of people want to go because they want a family. Mais Dieu veut que tu puisses entrer parce que toi tu veux donner une famille à ceux qui n'en ont pas. But you need to go because you need to give a family to somebody. Dès l'instant vous entrez dans un environnement parce que vous attendez de recevoir. If you go into an environment because you want to receive. Votre amour, votre temps dans l'équipe, dans le groupe, ce n'est qu'une affaire de temps. Your time is just a matter of time before you leave. Parce que vous allez finir par recevoir une blessure. Because you're gonna receive a hurt. Et si vous êtes blessé trop souvent, vous allez partir. And if you're hurt too many times, you're gonna leave. L'amour qui donne, the love l'amour that gets, agapé, car Dieu a tant aimé les hommes. For love so, God c'est so much ce qu'on appelle la profondeur. Dieu a tant, ça veut dire, son amour est tellement profond so profound, qu'il a donné. That he gave. Or, l'amour de l'âme et l'amour de la chair, the love c'est un of, amour qui reçoit, of the flesh, mais just qui receives. Donne. It doesn't give this type of love. Ou c'est un amour qui donne lorsque tu donnes. It gives only when you give. Ou qui donne parce que tu donnes. Or it gives because you give. Hallelujah. 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 Que faut-il te faire pour que tu fasses de bonnes offrandes? What must you do to have a good offering? Aujourd'hui. Today. Pour que les gens donnent de bonnes offrandes. For people to give a good offering. Il faut leur expliquer ce qu'ils gagnent. You have to explain to them what they're going to get. Ah, je vois une semence. I see a seed. Si tu donnes, if you give, en 4 heures, and 4 hours, tu fais une offrande de 4. You do an offering of 4. En 4 heures, and 4 hours, ta vie va changer. Your life will change. Yeah. Yeah. Si ma vie change, if my life changes, je donne. I'm gonna give. Devant Dieu. Before God. Ce n'est rien. It's nothing. Amen. Amen. Ça, c'est agréable à Dieu, c'est pas mauvais. It's okay to God. Parce que it's c'est not un bad. Don avec la foi. Because it's a gift with mais faith. Mais il y a un don qui est plus puissant que la foi. But there's one that's more powerful than faith. C'est donner avec amour. It's to give with love. Je n'ai pas besoin. I don't need de savoir ce que je gagne. To know what I'm gonna get. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Aujourd'hui, today, tellement le monde est devenu égoïste. The world is very selfish. On est obligé de faire toutes sortes de prédications pour plaire aux gens. We have to do all types of preaching to make people happy. Parce que les gens viennent pas à l'église. People don't come to church. Si on nous dit tout de suite, on va faire une grande sortie pour aller sauver des vies. Let's say we're gonna go to evangelize. Pour aller évangéliser. To evangelize. Vous allez voir ceux qui vont venir. You will see how many people come. Mais disons tout de suite. But right now, let's see. Il y a un homme de Dieu qui arrive. There's a man of God that's coming. Dès qu'il lève la main, as soon as he lifts up his man, tous les problèmes sont réglés. All the problems are gone away. Est-ce que vous savez que l'endroit même sera tellement petit, chaque culte sera petit. This room will be too small.
Parce que les gens cherchent les prophètes. Because people are looking for prophets. Pour leurs problèmes. For their problems. Mais de quoi Dieu a besoin? But what God wants. C'est pas leur souci. It's not their problems. Quel est le fardeau du Christ? What is the charge of Christ? Aimer Jésus. Loving Jesus. Ce n'est pas qu'est-ce que Jésus t'apporte. It's not what Jesus gives to me. C'est qu'est-ce que toi tu vas apporter au royaume de Dieu. It's what you're going to give to the kingdom of God. Amen. Amen. Vous savez, c'est quand vous commencez à raisonner comme ça. When you start to think like this. Que, par exemple, là, pendant Haïti, on s'est levé de la Côte d'Ivoire. On a quitté la Côte d'Ivoire. We left Ivory Coast. Pour aller en Centrafrique. To go in Central Africa. Les gens étaient surpris. The people were very surprised. Quand on est parti en Centrafrique en 2014. When we went there in 2014. Le pays était en guerre. The country was in war. En guerre. A lot of wars. Il y avait beaucoup de morts. A lot of... Et je regardais la télé. And I looked at the TV. Et j'ai vu un enfant qui pleurait. And I saw a child that was crying. Il pleurait. The child was crying. Je viens de perdre mon père. He just lost his father. C'était pas mon pays. That was not my country. C'était une situation difficile. It was a hard situation. J'ai dit à Dieu. And I said to God. Non, en fait, laisse-moi dire. Let me say this. Qui va aider cet enfant? Who is going to help this child? Et puis, du coup, je dis, mais les organismes internationaux, les ONG. And I said, maybe the ONGs are going to help this child. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? But what can these people really do? Donner des vêtements. Give clothes. Donner à manger. Give something to eat. Cet enfant. This child. C'est vrai qu'il n'aura pas d'habits parce que papa n'est plus là. Maybe he doesn't have clothes because his father is not there. But what he's lost, c'est pas d'avoir les habits. It's not just the clothes. C'est l'amour. He lost love. He lost peace. Je dis à Dieu. And I said to God. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? What or should I do, God? Il dit pourquoi tu laisses d'autres peuples s'en occuper? He said, why do you let other people just take care of them? Pourquoi c'est les païens qui ont le souci des autres peuples? Why is it that the unsafe people care more about them than you do? Je dis, qu'est-ce que je fais? I said, what am I gonna do? Je dis, bon, je m'en vais. I said, I'm gonna go. J'en parle à mon épouse. And I spoke to my wife. Elle dit, on y va. And I said, let's go. Il a fallu aller dans ce pays. We had to go to this country. J'ai des missionnaires qui ont été manqués par des balles. Missionaries who almost got hit with bullets. On a fait un mois de croisade. We did 1 month of evangelism. Dans un pays en guerre. In a country in war. Arrive, tous les missionnaires chrétiens avaient fui. All of the missionary Christians, they left that L'église country. L'Église centrafricaine nous demande. The church were asking us. Vous venez pourquoi? Why are you coming here? Pour l'amour de Christ. For the love of Christ. C'est les enfants de Dieu. And the people and the children of God. On a déplacé près d'une centaine de missionnaires. We went with about 100 missionaries. On a payé nous-mêmes nos maisons. We paid everything ourselves. Nos hôtels. Our hotels. Et chaque jour. And every day. Pendant un mois. For 1 month. Les matins, j'entretenais les pasteurs. Every morning, I talk to the Christians, the pastors. Tellement là, la pauvreté. They're so poor. On était obligés nous-mêmes de payer pour que tout le monde mange à midi. We had to pay from our own pockets that everybody ate at noon. Il fallait nourrir des milliers de gens tous les jours. We had to feed thousands of people every day. Et on n'a pas pris d'offrande. And we didn't take no offerings. On a fait un mois. It was for 1 month. Vous savez, c'est là que j'ai vu le ciel. That's where I saw heavens. J'ai vu des... Parce que... Quand on partait, on n'avait pas les ressources. When we went, we didn't see I have the resources. J'ai compris l'amour de Dieu pour les hommes. I understood the love of God for men. Dieu aime l'homme. God loves man. Alléluia. Alléluia. Son amour est profond. His love is deep. C'est profond. It's very deep. C'est pas lié à ce que les gens font. There's not linked to what people do. His love. On a manifesté. We manifested love. J'ai vu. C'est là que notre église a commencé à avoir des. Le ciel s'est ouvert. On a eu des ressources financières. We had financial resources. J'ai vu comment on peut parler autant. And I saw how we can talk about. Vous savez, ce dont je parle, les quatre dimensions. What I'm talking about here, the four levels. C'est pas pour moi, c'est pas une théorie. It's not a theory. J'ai vu que quand tu essaies d'imiter Dieu. When you try to imitate God. Dans son amour. In His love. Aimer les gens. And you love d'abord, people. Aimer Dieu. Loving God. Sans s'attendre à quoi que ce soit. Without return, expecting anything in return. J'ai posé la question à un des cultes. I asked the question in one of the cults. Si l'enfer était fermé. If hell was closed. S'il y avait plus d'enfer. If there was no more hell. Ça va jamais arriver. This will never happen. Mais si Dieu envoyait un ange pour venir dire à la terre. But let's just say God sent habitants an angel. Du monde entier. The people of the earth. Dieu vous annonce. God is announcing to you. Qu'il a fermé les portes de l'enfer. He's going to close the doors of dorénavant, plus personne n'ira en enfer. No one will go to hell. Est-ce que tu vas venir à l'église? Will you still come to church? Après ça, after that, viendras-tu au culte? Would you still come to service?
Vas-tu continuer de l'adorer, de le chanter? Will you still continue to worship Parce que, him? Que tu l'adores, le païen qui ne l'adore ni le chante, il va pas en enfer. These other people that don't know il him, ne, they're not il ne le prie pas, il va pas en enfer. They toi qui prie, but you pray. En fait, vos vies finissent pareil. Your life que tu pries, que tu pries pas, whether you pray or not, même résultat. You will have the same result. Est-ce que tu vas continuer de prier? Would you still continue to pray? Tu vas continuer à venir à l'église? Would you still come to church? Dans le fond, deep, si tu sais dans ton âme que c'est non. You know if you know that's the answer to that is no. Donc que je prie, il y en a qui vont venir dire au revoir au pasteur. There are people who come say bye to Pastor Greg. Pasteur Grégory. Pastor Greg. Es-tu informé de la nouvelle? Did you hear of the news? C'est sur tous les journaux. And it's all in the journals. L'enfer. Hell. A été fermé. It's closed. Plus personne. No one n'ira will go there à l'enfer. To hell. Alors il y en a qui vont dire pasteur. The people who will say pastor. Tes messages m'ont fait du bien. Your messages were good. Mais maintenant. But right now. Pourquoi venir à l'église? Why did I come to church? Pasteur, merci. Pastor, la vie. Now I have life. Un couple qui marche ensemble. A couple that walk together. Pas par amour pour l'autre, mais par peur d'être divorcé. Non. Not by love, but tu by aimes, fear. Tu dois aimer ta femme, aimer ton mari. You have to love your husband or wife. Pas pour ce qu'il t'apporte. Not because of what he gives to you. Pas parce que tu as peur d'être célibataire. Not because you're afraid to be alone. Mais parce que tu es prêt à donner. But because you're ready to give. Donner. You're here to give. C'est ce qu'on appelle, c'est là l'amour agapé. That's agape love. Alléluia. 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 Aimer Dieu profondément. To love God deeply. C'est aimer Dieu de manière inconditionnelle. Is to love him unconditionally. Inconditionnel. Unconditionally. Ton amour n'a aucune condition. Your love has no conditions. Parce que lui, il l'a fait pour toi. Because he did it for il you. Il l'a fait pour moi. He did it for me. Quand j'étais encore pécheur. When I was sinner. Christ est mort pour moi. Christ died for me. Pour mes péchés. For my sins. C'est moi qui mentais. It's me that was c'est lying. Moi qui volais. I was stealing. C'est moi qui cherchais les filles. I was looking for the women. Il n'a jamais péché Jésus. He never sinned, Jesus. Mais il est mort. But he died. Pour moi. For me. Jésus. Jesus. On a déchiré ses habits. We tore apart his pour clothes. Moi. For me. Il est Dieu. He's God. Mais il s'est laissé gifler. But they slapped him. Parce qu'il pensait à moi. Because he was thinking of me. Il savait que de temps en temps j'allais rétrograder. He knows from time to time I was backsliding. Il savait que j'étais imparfait. He knows I was imperfect. Mais pourtant. But yet. Il s'est laissé frapper pour moi. They let him. Tu sais qu'il allait plus loin. He went further. Il a laissé des petits humains. He left little humans. Lui transpercer là. To pierce him. Comme ça. Just like this. Tu sais. You know. Jésus. Jesus. Les gens quand vous le mettez à la croix, on le met avec un caleçon. They put him with underwear. Jésus était nu. He was nude. Sans ça. Without pants. Jésus. Jesus. Accepté. He accepted. Pour que moi. For me. Je sois pardonné. To be forgiven. Pour mes propres péchés. For my sins. Moi, mes propres péchés. Me, my sins. Mes propres erreurs. My errors. Quand je faisais, j'étais coureur de jupons. Quand je courais après when les filles. When I was looking for women. C'était pas son avis. That was not what je he wanted. Je marchais comme je voulais. I was walking the way et I wanted. Et mon péché m'a mené en enfer. My sin brought me to hell. Mais il m'a aimé. But he loved me. Et il a accepté d'être nu. He accepted to be nude. Pour que moi. For me. Je sois pardonné. So I could be forgiven. Et pas ça seulement. Not only that. Des petits humains. Little humans. Lui ont percé les mains. They pierced his hands. Là. Right here. Là. Right here. Les pieds. And his feet. Et il était suspendu. And then he was on the cross. Souvent, on le dessine avec des cordes attachées. A lot of times, non. They draw him with cords. He didn't have no on cords. On voulait le tuer. They wanted to kill him. Il n'y avait pas de cordes. There was no cords. Il était comme ça. He was just like this, suspended. Et son poids. And his weight. Vers le sol. Pushing him towards the ground. Mais sur ses pieds. And on his feet. Pour s'appuyer. Il fallait qu'il s'appuie sur un clou. He had to. Tu avais transpercé là. Pour se lever. He had to lay on a nail for him to put pour himself calmer back la on. Douleur qui était ici. To mais en the, le faisant. But as he's doing that, il déchirait ses pieds. He's destroying his feet. Il a souffert. He suffered. Pour moi. For me. Quand je vois ça. When I see this. Comment tu peux, pourquoi je vais venir encore à l'église pour ce que je gagne? How do I come to church for pourquoi, what I want? Pourquoi me fasse venir à l'église? Il faut qu'on me dise qu'on va encore faire une prière. For me to va. Come to church, they have to pray for me. No. Pourquoi notre amour pour Dieu a des conditions? Why does our love for God have conditions? C'est pourquoi ce passage dit. This is what ne cherche pas says. À comprendre beaucoup d'autres. Comprends l'amour de Christ. Understand the love of Christ.
Et quand tu penses à ce qu'il a fait, and when you think of what he's done, nous tous qui le contemplons, we all that see nous sommes changés. We are changed. Je t'assure. I assure you. Quand tu découvres ça, when you discover this, il est beaucoup plus facile. It's easier de pardonner aux gens. To forgive others. Parce que tu sais, because you know ce qu'il a fait pour toi. What he did for you. Ton amour. Your love. Tu vas commencer à aimer les gens. You will love others. Parce que tu veux les voir bien. Because you want to see them do well. Pas pour ce qu'ils t'apportent. Not because of what they give you. Tu vas venir à l'église. You will come to church. Parce pour dire à Dieu que tu l'aimes. To say to God, I love you. Et comme c'est sa maison. And because it's his house. Tu vas servir. You're gonna serve. Au-delà des blessures, des humiliations, tu vas servir. Despite the hurts, you're gonna serve because you love him. Si dans le groupe quelqu'un te t'injurie, if in your marriage someone tells something bad to you, si ça peut t'aider à t'améliorer, gloire à Dieu. If that can help you grow, praise God. Parce que tu l'aimes. But you love him. Tu vis pas pour toi. You don't live for yourself. Quand tu découvres, when you discover, afin de comprendre, so we can understand, la profondeur, the depth. C'était pas un amour superficiel. It's not a superficial love. C'était pas un amour émotionnel. It's not emotional love. C'était un amour plongé dans l'esprit. It's indebted in the spirit. C'est un amour agapé. It's agape love. C'est un amour qui n'est pas des sensations. It's not just sensations. C'est un amour qui n'a pas de goût. It doesn't have a taste. Quand on fait agapé, on ne ressent rien. When we have agape, we don't feel nothing. Tout amour sensation. Every love that sensation. Tout sentiment. Every sensation. Comme on dit, le sentiment. Sentiment. Quand tu dis oh. Je suis amoureux de lui. When you say I love him. Quand tu sens ça. When you feel that. Ce n'est pas de l'amour. It's not love. Ce n'est pas l'amour de Dieu. It's not the love of God. C'est parce qu'en fait c'est la façon qu'il fait qui te. It's the way he does things that makes you all crazy. L'amour. Love. Est inconditionnel. It's unconditional. L'amour agapé. Agape love. Ce qu'on appelle l'amour profond. Deep love. Lorsque ta racine descend jusque là. When your roots go down all the way there. Comment tu fais descendre? How do you go down? Tu découvres ça avec souvent les gens qui te blessent. It's a lot of people that hurt you. Et c'est souvent c'est ton prochain. It's usually your neighbor. La personne qui va te blesser le plus, c'est une personne très proche. The person who's going to hurt you is the person that's closest to large you. That's why large love te permet d'aller vérifier la profondeur de ton amour. Will allow you to dig your love. Tu aimais, au début tu étais amoureuse de ton conjoint. At first you loved your wife. Et après il te blesse. After she hurt you. Si tu commences à te détacher de lui. If you detach from this person. Si tu commences à voir que tes sentiments baissent, if you just see your sentiments are lower, c'est que ton amour n'était pas assez profond. Because your love was not deep. Les gens qui arrivent à te vexer, the people who shame you, sont la preuve de la profondeur de ta racine. They're proof of the depth of your roots. Donc, Dieu utilise le mal des gens, God used the evil that people do to you, pour te montrer ton degré d'amour, to show you the degree of love. Si tout le monde était trop bien avec toi, if everybody loved you too much, tu n'allais pas savoir jusqu'à où allait ta racine. You wouldn't know where your roots were really. Ce frère que tu ne supportes plus, the fact that you don't support anymore, est en fait ton ami. That's your friend. Dieu est passé par lui, God went through this person, pour te révéler, to reveal to you, que tu marches avec les gens, that you walk with people, tu aimes les gens, you love people, qui se comportent d'une telle façon, that act a certain way. Mais quand ils ne se comportent pas de cette manière, but if they don't act this way, tu ne les aimes plus, you don't love them anymore. Alors, now, Dieu voulait te le montrer, God wanted to show you, que ton amour est conditionné, that your love is conditional. Alors il a amené quelqu'un, he brought this person, qui est en dehors des conditions que tu donnes, that's outside of the conditions that you gave, afin so, que tu comprennes, that you complain, que tu avais un amour, that you had a love, qui était au niveau de l'âme. It was at the soul tu level. Tu aimes les gens par rapport à leur caractère. You love the people according to their character only. Tu aimes les gens forts. You love strong people. Tu n'aimes pas les gens timides. You don't like timid people. Jésus aime les timides. Jesus loves the timid people too. Tu aimes les gens qui disent ce qu'ils veulent. You love the people who speak their mind. Des gens aussi, ils n'aiment pas ceux qui disent ce qu'ils veulent. He doesn't like these people. Il y a des gens qui aiment ceux qui sont calmes. There are people who like calm people. Il y a des gens qui aiment ceux qui bavardent. There are a lot of people who speak Jésus a lot. Aime tout le monde. Jesus loves all of. Alléluia. Alléluia. Alors, tu vas te faire rentrer dans le groupe des chantres. You will go to the worship team. Et va t'amener un responsable. And they're going to bring a leader to you. Qui est exactement le caractère que tu supportes pas. That's exactly the character you don't support. Ils bavardent trop. And they talk too much. Il est là. And then this person is always talking, always talking. Tu n'aimes pas ça. But you don't like this. Alors tu veux quitter le groupe. Now you want to leave the group. Dieu dit non. God says no.
Si tu quittes, if you leave, ça veut dire que ton amour pour moi et pour l'œuvre est conditionné. That means your, my love for me c'est is conditional. C'est conditionné au caractère du leader. It's conditional to the character of the Ce leader. Ce gars-là, moi, je l'ai aimé. This person, I loved him. J'ai donné ma vie pour lui. I gave my life to for him. Est-ce que tu peux rester dans le groupe? Can you stay in this group? Seigneur, je ne supporte pas. God, I can't support this person. Non. No. On doit creuser. You have to dig. Tu vas pas être là. You're not going to be here. Parce que tu le supportes. Because you support them. Ou parce que tu le supportes pas. Because you don't support tu them. Tu dois être là. You have to be here. Parce que tu as décidé d'y. Because you decided to be. Et tu vas apprendre. And you will learn. 1 Corinthiens 13 dit. 1 Corinthians 13. L'amour. Love. Supporte. Supports. Tout. Everything. Tu dis mais pasteur. You said but pastor. Je ne ressens rien. I don't feel anything. Mais l'amour agapé ne ressent rien. But agape love doesn't feel anything. L'amour agapé c'est comme de l'eau. It's just like water. Ça n'a pas de goût. It has no taste. C'est pourquoi il est capable. Dieu dit. That's why God says. Il dit, il donne un commandement. He gave a command. Tu aimeras. You will love. Ton prochain. Your neighbor. On ne donne pas d'ordre aux sentiments. We don't give orders to our feelings. On peut pas dire à tes sentiments. Tu tomberas amoureux. You can say to your feelings, you will fall in love. Parce que les sentiments c'est une réaction naturelle. Because it's a natural reaction. Mais si Dieu donne un commandement, when God gives a command, tu aimeras. And you will love, c'est qu'il ne suffit pas à tes réactions. That means that's not your reactions. Ça veut dire, that means, c'est un peu comme si on dit, it's like we're saying, tu t'arrêteras au feu rouge. You will stop at the red light. Est-ce que c'est une affaire de ce que tu ressens? It's not a thing that you feel. Tu arrives au feu. You come to the light. Ah, je ne suis pas hypocrite, moi. I'm not a hypocrite. J'ai pas envie de m'arrêter. I don't, sometimes I don't want to stop. Je veux faire ce que je ressens. I want to do what I want to do. Je ressens de passer. I feel like going. Quand tu vas passer, when you go, la main va t'attaquer de l'autre côté. Something will attack you from the other place. Tu prends une décision. You take a decision. La loi dit. The law says. Je m'arrête au feu. You have to stop at the red light. Et je respecte la loi. And I will respect that. La loi dit. The law says. Dieu dit c'est un commandement. God says it's a commandment. C'est le premier commandement. It's the first commandment. Il n'a jamais dit c'est un sentiment. He didn't say it's a feeling. Il n'a pas dit voici le premier sentiment. It's not said. It's not. Il y a rien à ressentir. It's not a feeling. Il y a juste à décider. You just have to decide. Je vais rester dans le groupe. I'm going to stay in this group. Parce que j'ai décidé. Because I decided so. Pas parce que je ressens. Not because I feel a certain way. Lorsque when you, tu commences à faire les choses pour Dieu et pour des gens, when you start to do things indépendamment for God, de tes sensations et de tes sentiments, depending on your feelings, tu es devenu libre. Now you're going to become free. Plus personne ne pourra te vexer. People c'est fini. Will not shame you. That's finished. Une fois que tu arrives à passer la chair, once you go past the flesh, et à poser tes racines dans l'amour de l'esprit, you put qui your est l'amour, roots on the spirit, décision, which is decision, tu es délivré de la souffrance. You're delivered from suffering. On ne peut plus te vexer. People can't shame you anymore. Mais tu dois payer le prix. But you have to pay the price. De pousser ton amour en profondeur. To go deeply with your love. C'est-à-dire à un moment donné de dépasser tes sensations. You have to go past your feelings. De dépasser tes frustrations. Your frustrations go past. Et de rester là où Dieu veut que tu sois. And for you to stay where God wants you to be. En dépit de ce que tu prends comme coup. No matter what happens. Parce que avant d'entrer, because tu as senti que Dieu voulait que tu sois là. You felt that God c'est Dieu qui t'a envoyé dans cette église. God sent tu ne pars here. Pas. God don't speak. Tu restes. Et tu vas permettre à l'Esprit de Dieu allow the Spirit of God de pousser la racine to push jusqu'à l'Esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. May God bless you. Aimons Jésus. Let's love God. Aimons notre prochain. Let's love our neighbor. Profondément. Deeply. Afin de connaître la profondeur so we can know the depth de l'amour de Christ. Of the love of Christ. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Au dernier service, this last service, je parlerai de la hauteur. We're talking about the height. I'm going to talk about de la longueur. And the length. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. May God bless Seigneur, you. Donne-nous de manifester l'amour. Lord, let us manifest love. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Shekinah App. Téléchargez-le. Kounia.